Coucou tout le monde, donc c'est Othergun. Et en ce moment je vais vous commenter ce gameplay pour vous annoncer que je me remets un peu dans le mode YouTube. Et ensuite j'espère aussi que cette partie sera uploadée sur Code QG. Cette partie qui me semble respectable où je ferai donc 3 bombes nucléaires. Donc je remercie d'abord fortement Code QG de m'avoir répondu. Et voilà, donc je commence donc par vous présenter un minimum ce que vous allez voir. Donc nous sommes en démolition avec le Tarantien sur Rust en tactique par équipe. Et je vais claquer 3 bombes nucléaires. Et non, je n'ai pas copié ma feuille de litho, car j'ai enregistré cette partie le 28 septembre. Et lui c'était octobre, je sais pas combien. Enfin bref, j'étais avec, il me semble, ouais, 4 amis que je connais. Enfin, oui, 2 que je connais, genre, qui sont Mousse et Hello Twiki. Ultima, je le connais pas. Non, je le connais pas. J'étais un pote à Hello Twiki, donc je l'ai invité. Et, on est en tactique, donc c'est du 4 contre 4. Et, là, je sais déjà que beaucoup d'entre vous diront que... je vais camper parce que je vais pas mal rester derrière cette voiture. Et en fait, je vais vous dire que déjà il faut que je laisse poser la bombe pour que la manche dure un peu plus longtemps. Ensuite, qu'il y avait pas mal d'UMP en face. Je sais pas si vous pourrez voir. Et puis, ensuite, je vais pas rusher comme un porc pour risquer de me faire buter comme un con. Excusez-moi du langage. Mais bon, voilà. Donc là, je suis pas. Bon, là, je suis à 7-0. Je m'en rappelle plus de ce passage. Je vais me cacher. 8-0. Oui, je voulais dire aussi qu'en ce moment, toutes les petites merdes sur Modern Warfare 2, si vous m'écoutez, j'aimerais que vous arrêtiez vos satanées infections qui pourrissent le jeu. Même si Modern Warfare 3 est sorti, ne pourrissez pas plus le jeu, parce que franchement, on a enregistré des parties avec ma team, c'est vraiment pas du joli quoi. Hein. Les infections, ça y va, tout va quoi. Hein. Et quand je dis infections, je parle des types, quand tu as l'insertion tactique dans leur dos, dans leur camp quoi, et le mec court, et d'un coup il se retourne, il vient et te tire dessus. D'un coup comme ça, il n'y a pas de drone ni rien. Forcément quand toute l'équipe y a voilà, j'ai déjà parlé à des personnes, des hackers, ils m'ont dit que c'était la mode en ce moment. Et franchement, j'ai qu'un mot à dire quoi. Vous portez vos couilles, lâchez vos infections, vos challenge lobby, vos wallhack, vos aimbot et tout et tout. Jouez correctement, ça fera plaisir à tout le monde, et le jeu en sera que plus meilleur. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et là je viens de débloquer ma première bombe nucléaire. Vous voyez que je me fais pas tuer tout de suite. Et que j'avais vraiment une bonne connexion. Et j'étais pas l'autre pourtant. Vous voyez que je mets vraiment mes 2 balles quoi. Ça laisse à l'ennemi aucune chance. Excusez-moi. Et je voulais savoir aussi ce que vous pensez franchement de Modern Warfare 3. Parce que je suis franchement sceptique. Parce que vous savez tous maintenant que je suis un grand gourmand de la démolition. Moi et ma team d'ailleurs. Les respawns, ils changent pas. Enfin, ils sont pas super. Ils sont pas excellents quoi. Tout le monde gueulait sur Treyarch, nanani, nanana, c'est un gros jeu de merde. Treyarch, vous êtes incapables. On se fait spawn kill à toutes les parties, etc. Mais je sais pas, moi j'ai plein de parties sur mon PC dans Favela où les types on leur met des spawn traps dans la tête. C'est du Black Ops hein, et personne ne dit rien. Et là Modern Warfare 3 sur Dome, ça devient pareil quoi, parce que la deuxième ou troisième partie j'ai tapé les 100 kills quoi. Donc après je me pose des questions. Donc on va, là j'ai pas encore débloqué l'insertion tactique, mais je vais vraiment essayer de regarder pour voir si ça a vraiment une différence avec Treyarch et Modern Warfare 2.
Ah quoi. C'est bien beau de critiquer Treyarch, mais moi Black Ops je l'aimais bien. Pas spécialement parce qu'on pouvait spawn kill et spawn trap, hein. Je joue sans spawn kill et sans spawn trap, je joue très bien comme ça, sans domination en autre mode, mais on joue pas comme ça, voilà. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, attendez, j'ai reçu. Je voulais aussi remercier Electra qui m'avait fait de la pub sur son mur. Voilà, je voulais remercier aussi Aurélien ou Rusher of Hell, un membre de ma team avec qui on joue pas mal en ce moment. On s'éclate sur le mode survie, là on est 200e mondial sur Dome en survie, manche 33, et 450e sur comment ça s'appelle, Underground, manche 35 il me semble. Et franchement, et ben je suis en love de ce mode. Mais qu'est-ce que le mode zombie est pourri à côté. C'est vraiment un truc de fou. Là on peut acheter bah bien sûr faut se créer un profil hors ligne déjà. Enfin un profil quoi. Et ensuite vous pourrez débloquer enfin vos niveaux. Jusqu'au niveau 80 je pense. Je sais pas combien, parce que moi je suis au niveau 37. Et donc je reviens, ouais je disais, on peut débloquer des tourelles automatiques, des atouts, ça dépend du niveau bien sûr. Des fusils mitrailleurs, des pistolets mitrailleurs, des fusils de précision, des fusils d'assaut et des fusils à pompe. Nous pouvons acheter aussi des grenades, des claymores, RPG, du C4. On peut s'acheter du blindage, c'est-à-dire on peut absorber tant de dégâts sans que l'écran devienne rouge. On peut s'acheter réanimation à l'infini, enfin, auto-résurrection ça s'appelle. Voilà. C'est une sorte de barreau d'honneur où quand tu tues un ennemi, bah tu te relèves. Mais bon, après tu l'as plus. Faut que tu ailles le racheter. On peut acheter des tourelles lance-grenades, c'est une nouveauté. On peut aussi acheter le missile Predator. Le bombardement de précision. Enfin, c'est une sorte de tir de mortier amélioré. La section Delta qui se compose de 4 soldats. On va dire médiocres parce qu'ils sont pas super armés, enfin pas super protégés quoi, ils ont pas de protection, ils ont juste des armes normales. Et il y a la section de bouclier anti-émeute qui sont 3 ou 4 soldats du GIGN en fait, qui viennent avec des boucliers anti-émeute et eux par contre ils sont vachement balèzes, ils arrivent à résister parfois aux mastodontes. Donc ça aide vachement. Donc après je sais pas trop si je vous mettrai une vidéo du mode survie parce qu'on campe pas mal hein, faut le dire en mode survie. Au bout d'un moment, à partir de la manche 25, on commence vachement à camper avec les tourelles et tout le bordel hein, donc je sais pas si ça vous plairait tellement que ça. Bref voilà, il faudrait que je teste aussi les autres maps du mode survie parce qu'il y a toutes les maps multijoueurs, ça il faut le savoir. Toutes les maps multijoueurs du qui se jouent en ligne pour l'instant sont utilisables en mode survie. C'est une bonne chose à savoir vu que sur Black Ops le mode zombie au départ nous avions Kino Dark Totten. Après il fallait finir le jeu pour avoir 5 ou fallait faire le cheat code dans le menu avec l'ordinateur. Et il y avait Dead Ops Arcade. Donc voilà, ça faisait pas beaucoup. Et par la suite il fallait payer les packs annihilation etc etc. Non, ouais, c'est résurrection, moi ouais, je sais plus. Parce que je les ai pas achetés. Et donc franchement j'espère que qu'ils vont pas nous décevoir à nous lâcher des packs de cartes tous les 2 mois comme Black Ops ont pu le faire, même si je critique pas Black Ops quoi parce que j'ai vachement bien joué hein. J'ai joué des heures et des heures, mais j'espère franchement que, parce que là pour l'instant moi ils m'ont pas déçu Modern Warfare 3, j'espère que ça va continuer sur ce lancer. Et j'espère que tout le monde d'ailleurs pense comme moi que les DLC il y en aura pas quoi, ou il y en a qui seront gratuits ou vraiment moins chers. Parce que à coût de 15€ le jeu revient vachement vite cher quoi. Hein. Je sais pas si vous avez fait le calcul mais franchement qu'est-ce que je voulais dire d'autre
Ah oui, nous avons aussi recruté deux filles dans notre team. Donc il y a Emi Aizawa de la Girls in Game, qui est partenaire de Code QG. Hello Twiki qui est avec moi dans la partie. Donc voilà, pas besoin de les flouder d'invitations, etc. Ce sont des filles comme les autres, on les a pas recrutées parce que c'est des filles. On les a recrutées parce qu'elles sont, enfin, elles sont cool et on avait un peu besoin de filles dans la team, ça fait pas de mal de temps en temps. Et oui, c'est rare une team de pas macho, c'est très rare. Et donc voilà. Ça nous fait plaisir de les accueillir et puis on s'entend bien, il y a une bonne ambiance pour l'instant. Même si il y a eu des petits problèmes techniques au niveau des PS3 de certains membres. Ou de la connexion internet, enfin des trucs un petit peu cons qui les empêchaient de jouer et du coup de rencontrer les filles. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va sûrement revenir très vite. Et voilà. Donc aussi tout à l'heure, pour en revenir à mon coup de gueule contre les infections, parce que souvent infection rime avec Kikou et Kikou rime avec oh trop lol, je te baisse ta mère en 1v1 quickscope. Voilà. Donc ça, j'aimerais que ça s'arrête aussi, cette mentalité de trou du cul. Parce que franchement, avec ma team, on peut pas jouer en recherche tranquille sans qu'il y ait quelqu'un qui insulte nos mères, nos parents, nos grands-pères, n'importe qui. Alors que, voilà, on leur dit gentiment, s'il te plaît, bouge de ton coin, lâche ton UMP silencieux. Et là, ça fuse. Les 6, ils nous démutent et... Eh vas-y, je t'insulte les parents, nanani, nanana. Franchement, je trouve ça pitoyable et je trouve ça représente mal, mais vraiment mal, la communauté française de Call of Duty. Alors qu'on pourrait être, franchement pas mal. Après, c'est à vous de voir. Moi, perso, j'avoue que je rage, mais je rage vraiment. Quand je suis avec ma team, etc., ça m'arrive d'insulter, c'est sûr. Ça m'arrive d'insulter quand un type ne bouge pas, viseur fixe, à l'UMP, et qu'il t'attend en tournant, quoi. Ça me rend dingue. Et puis surtout, je crois qu'avec certains membres de ma team, genre Ribéry, que vous allez sûrement voir dans une de mes vidéos dans pas longtemps, donc avec Ribéry, on est d'accord sur un point, c'est que les types, genre niveau 55 dans Code 4, ou 70 dans MW2, ou niveau 50 dans Black Ops, joue ou à l'UMP silencieux ou à la QT rapide. Les mecs ils sont prestige 15 ou prestige 10 et ils jouent à des armes comme ça et se permettent de venir t'insulter à la fin de la partie parce que ils t'ont soi-disant violé. Ça franchement je dis tout de suite allez vous cacher hein, parce que c'est franchement l'affiche. Franchement je vois aucun intérêt de choisir la facilité avec les armes. Donc moi je le dis, l'UMP je l'ai sur mes classes rush dans tous les Call of, enfin dans Modern Warfare 2 et dans Modern Warfare 3, y compris pour l'AKU, je l'ai dans ma classe poids plume, comme vous l'avez vu dans ma vidéo les chiens en 1 minute. Et bon, j'avoue, c'est des armes cheatées, mais bon. Après voilà, je joue pas H24 avec, hein. Sur Black Ops c'était le FAMAS, mon arme favorite. Et sur Modern Warfare 2, il me semble aussi que c'est... Non, ça doit être le Scarache ou l'ACR, je sais plus. Mais... Et là, sur Modern Warfare 3, il me semble que c'est le type 95. C'est le FAMAS un peu moche, même très moche, qui est dans Modern Warfare 3. C'est une représentation du FAMAS. Et il le tue pareil en une rafale, soit ça dépend de la connexion. Mais avec un viseur laser, ça rentre comme dans du beurre. Donc revenons-en à notre gameplay. Là, vous voyez quand même que ça campe pas mal. Hein, si vous regardez un peu où je me suis fait tuer, allongé derrière le truc en béton. Enfin, là, je peux comprendre qu'il campe, quoi, et qu'il soit dégoûté et tout. Ça peut excuser. Donc aussi, je voulais vous demander un petit service dans les commentaires. Laissez votre avis, en fait, ce que vous pensez. Comment vous pourrez, en fait, comment je pourrais m'expliquer. Comment vous... les points communs que vous trouvez déjà à Battlefield 3 et Modern Warfare 3, s'il y en a, bien sûr, hein, il peut qu'il n'y en ait pas. Et aussi les choses qui les différencient. Voilà, il se peut qu'il n'y en ait pas, je sais pas, moi, ça va vouloir.
Et ensuite, vous mettez ce que vous trouvez de nul dans Modern Warfare 3 ou de bien. Et pareil pour Battlefield. Et je pense que il va y avoir pas mal de débats quoi, parce que moi Battlefield je l'ai pas encore acheté. Pas grand monde de ma team, ou si ce n'est personne qui l'a acheté, je crois qu'il y a personne, ouais. Bah en fait on hésite à l'acheter parce qu'on a peur du bide quoi. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de commentaires sur jeuxvideo.com, etc. Comme quoi Battlefield était truffé de bugs, il était pourri. J'avoue que ça me laisse un petit peu sur ma faim, parce que j'avais testé la bêta, que j'avais pas trouvé si mauvaise, mais pas super bonne non plus. Et c'est ça qui m'avait fait un peu peur, je me suis dit au début, bon c'est une bêta. Ça passe, ça peut être pire quoi, ça peut être pire en niveau bug, texture, etc. Là, ça va, c'était bien. Même si des fois on tombait en dessous de la map. Et bien sûr, au bout d'un moment, la map métro, ouais, métro, elle nous cassait un peu les bonbons. Donc après, il faudrait que je teste vraiment la version officielle, quoi, le disque, pour vous en dire plus. Il faudrait que je fasse une... Ouais, j'ai vraiment pas envie de l'acheter, parce que j'ai pas envie de claquer 70 € dans un jeu que je trouve je pourrais pas revendre. Faudrait que je demande à un ami de me le prêter. Ou sinon je demanderai à Rocher Offel de me faire une petite vidéo comparatif que l'on fera peut-être tous les deux si on peut. Parce que nous avons pas mal de projets en ce moment, moi et Rocher. Notamment de faire ou du zombie ensemble, ou du online commenter ensemble, ou de la survie ensemble, ou des opérations spéciales ensemble. Parce que là, on part à la chasse des 3 étoiles sur Modern Warfare 3. On est déjà à 6 missions avec les 3 étoiles en vétéran. Je peux vous dire qu'on a pris des sacrés fous rires. C'est vraiment pas joli à voir, donc c'est pour ça que j'hésite à mettre un peu tout ça au public, même s'il y en a beaucoup qui pourraient prendre des fous rires. Là vous avez vu mon score, 118, je sais pas combien, j'ai pas eu le temps de voir. Ça commence à faire lourd, parce que là j'ai débloqué mon troisième artilleur hélico qui va sûrement me donner ma troisième bombe nucléaire. Se prendre 3 suppositoires nucléaires en une partie, je peux vous dire que ça fait assez mal. Et vous avez remarqué aussi que je ne spawn trappe pas, je ne spawn kill pas. Et après bon, spawn killer sur Rust, on va pas dire que c'est bien compliqué hein. Les respawns sont toutes collées, etc. Bon, bref, là vous pouvez voir que j'ai ma troisième bombe nucléaire, que ça me fait plaisir, que je sautais de partout, que ouais bah je me sentais plus pissé, surtout que j'avais enregistré pour une fois que je faisais pas de la merde. Moi je dois avoir une maladie hein. Dès que j'enregistre je fais de la merde, et dès que j'enregistre pas je fais des 5 headshots sur Hi-Rise, qui d'ailleurs il y a plusieurs témoins. Je dis à tout le monde que je coupe mon PVR parce que je fais de la merde, et la seconde qui suit je fais une multiple dans la tête, enfin 5 headshots d'affilée, donc ça fait un peu chier. Mais après bon voilà, je me rattrape, j'ai des bons gameplays que j'ai filmé aussi. J'ai des parties en démolition sur Black Ops où je dépasse les 200 kills, où je dépasse 180 sur WMD, sur Summit où je dépasse les 200. Donc voilà, c'est pas pour rien que je me surnomme, et parfois on me surnomme Demolition Man. Bon voilà, c'est un peu de l'avantardise, mais... Je vais pas me vanter, je vais dire que voilà, je suis franchement, je suis pas bon, je suis pas super, je suis pas bon. C'est pas que je suis pas bon, mais je me débrouille vachement bien en démolition. Surtout sur Black Ops, c'est Modern Warfare 2. Là, Modern Warfare 3, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas pu étudier les cartes super en profondeur, alors que sur Black Ops, on les avait étudiés un peu en match privé, quoi. Je les avais un peu étudiés en match privé avec la deuxième manette. Là j'avais commencé sur Modern Warfare 3, mais j'étais trop impatient de tester le multi, donc j'ai abandonné. Je crois qu'on se peut-être une prochaine fois. Ou ça viendra tout seul. Hein. Là on a déjà repéré pas mal de spawns dans le Dome.
Pouf, c'est une grosse tuerie. Et j'espère aussi juste que qu'ils enlèveront pas les maps comme Treyarch. Parce que voilà, ça fait un peu chier de se faire virer des bonnes maps. Fire Range, Nuketown, Havana. Donc voilà. Parce qu'après, on termine le mode. Il reste quoi, Crackhead, les vieilles maps quoi. Enfin bref, vous voyez mon score, 146-37. Et maintenant avec la bombe, 150-38. Le deuxième meilleur, il fait 53-54. Et vous pouvez noter, le Tox du 94 n'a pas ragé, 53-99. Avec 12 assistances. Et franchement, bah moi je dis GG à lui encore une fois. Hein, il n'a pas insulté, rien du tout. Ou alors je l'ai pas insulté. Enfin, je l'ai pas insulté, pardon. Ou je l'ai pas entendu. Donc voilà, c'était ma petite partie quoi. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je remercie encore vraiment beaucoup Code QG s'ils upload la vidéo. Même si s'ils la regardent déjà, ça me fera vachement plaisir. Et franchement, abonnez-vous à Code QG, Code CF. C'est vraiment du bon boulot ce qu'ils font. Ça vaut le temps de passer du temps sur leur chaîne quoi. Donc voilà. Merci beaucoup tout le monde. Et bonne continuation à l'équipe de Code QG. Ciao tout le monde.